Aucun système de surveillance détecté. Non, non, tout va bien, monsieur. Tout va bien, monsieur l'agent. Je m'appelle Théodène. J'aime le premier ordre. Oui, oui, la résistance, c'est pourri. Merci, merci. Je circule. Allez-y, monsieur l'agent, je vous en prie. Que je puisse réparer ce panneau de commande. En toute discrétion. Voilà. Nous avons donc les codes. On perturbe les transmissions du premier ordre. Et nous allons faire notre rapport. Et là, ça va être grandiose. Vous allez voir comme... comme les choses se passent beaucoup mieux lorsqu'on résout ce problème. Musique interdite, hein, bien sûr. Où est notre amie? Elle est là. La troisième fois, c'est la bonne, c'est ce qu'on dit. Eh bien, regardez, les amis, regardez. Et voilà. Magnifique. Sublime. Du coup, on va en reprendre une. Je vais pas remettre mon trait de caractère tout de suite, puisque de toute façon, il ne s'applique pas là-dessus. Donc, tant qu'on est sur Batou, je ne vais pas le réactiver. Nanana, vous avez été d'une... Nous pourrions encore avoir besoin de vous. Nous avons besoin de matériel de base et d'un moyen d'empêcher le premier rang de repérer nos activités au moins un certain temps. Acceptez cette mission. Quelle est la mission? Rencontrer Vi Moradi, au campement de la résistance. Près du X-Wing. C'est toi? Oui, c'est toi. Mais on se connaît déjà, non? Par contre, j'avoue que la tenue de... Je sais pas pourquoi, c'est pas la tenue que j'avais choisie pour venir sur Batuu, mais on va remodifier ça quand on sera à la cantina. Ne m'embrouillez, nécessité de premier ordre, nanana, pour que je puisse voler, nanana. Mes amis m'ont dit que je pouvais faire confiance, mais c'est moi qui en jurais. Maintenant, voyons ce que vous savez faire. Eh ben, que dois-je faire? Brouiller les systèmes de surveillance du trafic des chasseurs du premier ordre. Et je fais ça où? Fixer la tour de communication. Piratez-le pour brouiller le système de surveillance des vaisseaux du premier ordre. Remplacez des pièces du X-Bang. Vous trouvez des pièces détachées. Une fois que vous en avez un nombre suffisant, cliquez sur le X-Bang au campement pour changer les pièces. Faites une mission. Une fois le X-Wing réparé, cliquez dessus pour faire une mission de diversion. Très bien. Nous avons du travail. Mais pour ce faire, il faut aller dormir. Donc, allons à la cantina. Et changeons de vêtements. Je peux pas supporter cette tenue. Ça fait pas du tout Star Wars. Ça fait un peu cosplay Han Solo de low cost. Bon. Changer de tenue pour Batuu. Voilà. C'est ça ma tenue pour Batuu. Ah bah là c'est autre chose tout de suite. Et je veux également dormir. C'est dommage, on peut pas se fabriquer une maison ici, s'acheter un petit terrain et se faire une vraie baraque façon Tatooine un peu. Ça pourrait être rigolo, mais pff, ils ont pas exploité le truc jusqu'au bout. En même temps, c'est Electronic Arts. Qu'est-ce qu'on peut pas tellement s'attendre à plus que ça. Hein. Ne me dis pas que c'est des gens qui attendent pour dormir, ça, quand même. Ah, quelle horreur. Je sais même plus comment ça s'appelle, ces trucs-là.
Parfait. On est bien. Nous allons pouvoir aller... Enfin, retourner plutôt. Sur les quartiers du premier ordre. Alors, nous voilà. Ah, il me faut encore un récupérateur de données. Parce que là, ça va être compliqué. Si le vaurien est encore là, oui. J'ai plus de récupérateur de données, là. Oh! Un cristal Kyber jaune! De quoi me faire un autre sabre laser? Je vous rappelle que le mien, c'est celui-là. Ferraille. Les droïdes Gonk. Donc c'est quoi qu'il faut que je fasse? Brouiller le système de surveillance. Bah oui, c'est ça, c'est la tour qui est là. Brouiller les systèmes du trafic de premier ordre. Il me faut donc un récupérateur de données. Je retourne à la cantina. Ça peut vite devenir très saoulant de faire les allers-retours et de se taper à chaque fois les temps de chargement. Ça va, ils sont pas très longs, mais c'est casse-couille. Hein. De se retaper le chargement de tous les personnages qui vont apparaître les uns après les autres. Donc, demander un défi au sabre laser. Oui, je ne crains personne. Charge des adversaires. Je me bats à la loyale la plupart du temps. Je veux le dudu. Je suis censé attendre quelque chose. Cherchez votre adversaire à l'avant-poste de la flèche noire. Il y aura une icône au-dessus de la tête. Là! C'est toi. Non, toi, t'es un vaurien, toi. Demandez comment le vent souffle. Une icône au-dessus de la tête. Bon, je le trouverai plus tard. Est-ce qu'il y a lui? Obtenir un sabre laser. Non, c'est pas comment obtenir. Je veux mon récupérateur de données. Comment l'obtiendre? Est-ce qu'il y en a à l'atelier de sabre laser? Non. Alors, ah mais du coup ça m'a viré mon autre mission d'ailleurs. J'y pense. Va falloir que je la redemande à la meuf. Bah du coup, raison de plus pour trouver mon... La personne concernée par le dudu. Je veux faire ce dudu, j'ai de l'argent à gagner. Le dudu, il est pas ici, hein. Cherchez votre adversaire, l'avant-poste de la flèche noire. Vous pourrez le voir s'entraîner avec son sabre laser. Il aura une icône au-dessus de la tête. Personne s'entraînait au sabre laser. Par contre, il y a un tas de merde là que j'aimerais bien fouiller.
Ah, il est là. Je l'ai trouvé. C'est la fin pour lui. Attention. Premier combat au sabre laser, les amis. Je suppose qu'on ne peut pas s'assassiner avec les sabres laser, puisque on peut quand même se couper des membres avec. Hein. Je pense pas que le jeu autorise ça. Ça, ça mériterait une miniature, c'est magnifique. Sacré duel. Ça dure plus longtemps que les duels magiques. Ah merde! Oh le sac! Pourtant, il faut normalement du physique, hein. Il est où? Ah, remarque, je suis pas au max, hein. Je suis pas encore au max, je suis qu'à 9 points. J'ai encore un petit peu de marge, mais normalement, c'est le physique qui fait la facilité sur les duels au sabre. Les gens de confiance, gnagnagna. Non. Parfait. Je vais juste aller manger un petit truc à la station d'amarrage. Quoi? Mais non! Qu'est-ce qu'on va se prendre approprié pour les végétariens? En fait, tous les plats qu'on peut manger ici sont appropriés pour les végétariens. Prix d'Andoria type yip. Allez, je prends ça. Portion individuelle. Après, à préparer la recette, elle est désormais... Oh, c'est bien ça. La boutique d'antiquité. Je vais aller récupérer de nouveau ma mission hein, après. Alors, un calicite ancien. C'est joli. Ewok en peluche. Oh là là, un Ewok en peluche. J'en veux un. Holocron Jedi, Holocron Sith. Décor et nature élémentaire. Un porg. Oh non, j'enlève l'Ewok et je prends un porg à la place. Porg en peluche. Récupérateur de données. Hop, j'en aurai un. Donc je retiendrai, c'est ici qu'on peut on peut s'en procurer. Alors, direction... Pas ici. Les petites transitions façon Star Wars, bien sûr. Je vais pas faire de montage pour enlever tous les temps de chargement parce que il y en a tellement. Alors, désolé, j'ai tenté autre chose.
On ne reprochera pas maintenant que les quêtes fonctionnent de vouloir jouer sur tous les tableaux. Donc rencontrer machine. Il y a des personnages très connus qu'on va pouvoir... Si seulement il y avait plus de gens comme moi. On va rencontrer des personnages très connus hein, bientôt les amis. X-Wing, on connaît, hein, on a déjà entendu tout à l'heure. Donc, on a notre récupérateur de données. Nous allons pouvoir les brouiller. Hop. Ensuite, on retournera au camp de la résistance pour demander comment se procurer des pièces. On aurait peut-être pu faire l'inverse d'ailleurs. D'abord demander et ensuite aller brouiller. Peu importe. Allez hop. On va brouiller tout ça. Parfait. En plus, ça me donne de l'influence apparemment de faire ça. Pourquoi ça n'a pas validé la quête? Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché? Système de surveillance du trafic des chasseurs du premier ordre. Bah c'est ça? Ça n'a pas fonctionné. Bon. Retournons à la cantina. On reconnaît bien les musiques du premier ordre. Oui, mais ça, c'est ma thune de la vraie vie. Là, je suis sur Batuu. Je ne gagne pas le même salaire. Oui, système de surveillance. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me donner un récupérateur de données sans que j'ai besoin d'en acheter toutes les 5 minutes? Parce que ça va me coûter cher, tout ça, quand même. Je check s'il n'y a pas notre ami vaurien qui se pointe. Ma collègue du commissariat qui me propose d'aller au Festival de l'Amour. Si seulement elle savait que j'étais à quelques milliards d'années-lumière. Alors... Ah mais c'est comme ça qu'on se les procure ces putains de pièces. Mais il me faut de la thune. Bon, je m'en prends une et je prends un récupérateur de données. Je suis en train de dépenser tout mon fric. C'est ultra cher en plus. Retournons dans le quartier du premier ordre. Donc, ça n'a pas marché tout à l'heure. On aura peut-être plus de chance cette fois. Non, ça n'a pas marché encore. Pourquoi ça ne marche pas ? Je sais pas. C'est pas grave. De toute façon, le simple fait d'avoir débloqué la situation est déjà une grande avancée pour les babouins. Donc, rien que ça, déjà, ça nous permet de... Ça nous ouvre des portes et de nouvelles perspectives s'offrent à nous. Mais par contre, si on doit... Pour accomplir les missions, si on doit dépenser tout notre fric, ça va être compliqué. Machine, tu vas me renseigner sur les pièces de X-Wing.
J'entends des sabres laser. J'ai eu la chance de bien. J'ai déjà eu la chance de trouver dans des caisses de matériel en ville. Ouais, j'en ai vu, mais j'ose pas trop les ouvrir à côté de. À côté des membres du premier ordre. J'ai des pièces, j'en ai acheté une. Ah, il en faut 5. Ça marche. Est-ce qu'il y a des pièces, des caisses? On va tenter de forcer. De toute façon, on est dans le camp de la résistance, on va rien me dire. Nous sommes amis. Nickel. Un récupérateur de données et une pièce de X-Wing. Et de 2. Est-ce qu'on a d'autres caisses dans le coin? C'est beaucoup plus grand que ça n'y paraît. Hein. Là. On n'est pas très diverti pour l'instant. Pièce, c'est parfait. Il y a bien d'autres, une dernière caisse là. On manquera plus qu'une. Oh, cristal kyber bleu, magnifique. Pour l'instant, je garde mon cristal kyber vert. J'aime beaucoup le sabre laser vert. On va fouiller le tas de merde. Oh bah nickel. J'en ai 5. Oh bah c'est parfait. Je vais juste m'entraîner rapidement avec mon sabre laser. Ça va me distraire un peu. C'est pas aussi distrayant qu'une télé. Allez, ça suffit. Allons réparer le X-Wing T-70. Et faire une petite mission de diversion tant qu'on y est. Elle voulait juste discuter. Bon, une fois le X-Wing réparé, mais par contre, il faut que je brouille le trafic, bien sûr. Et comme ça ne marche pas à chaque fois, on pourrait retenter une dernière fois, vu que j'ai eu un récupérateur de données. On va retenter, si je peux accomplir cette mission. Alors, je vais m'entraîner d'abord à pirater. Ami de la résistance. Ça me consomme pas d'un coup. D'accord. Je pense qu'il me faut un point supplémentaire. Donc on va continuer de s'entraîner pour l'instant. Un point en programmation. Ça me donne envie de pisser à mon personnage. Bonjour. Tout va bien, monsieur l'agent?
faveur. Je suis un bon citoyen modèle. Je circule. Vous avez des toilettes? Bon, je vous laisse. J'ai du travail. Il faudrait qu'on s'achète un truc pour avoir... Non, pas ça. Dans la boutique. Divertissement instantané. Qu'est-ce qui pourrait nous remettre... Jamais fatigué. Toujours rassasié. C'est de la triche, ça. Ouais, mais on s'en fout d'être heureux. Et là, il a un problème. Ouais, je suis obligé de... Je suis obligé d'aller pisser. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller pisser ici? On ne peut pas uriner au premier ordre? Ah ça, là pour le coup, c'est pas cool. Oui, mon perso. Allez, magne-toi. Quand t'as vraiment envie de pisser, tu marches pas comme ça parce que t'as très envie d'aller aux toilettes. Tu mets pas 3 ans à aller aux toilettes. Bon, allons uriner. Et dormir. Nous terminerons cette quête maintenant que nous sommes débloqués. On terminera cette quête dans la prochaine vidéo, les amis. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit commentaire en dessous, il s'est passé pas mal de choses, donc n'hésitez pas, j'ai posé quelques questions qui demeurent sans réponse, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu et bien évidemment à me suivre sur Twitter, @valmore333. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Salutations de l'infini.